calme-toi mon ami et pose cette pioche, on va pas commencer à creuser les trous tout de suite. Il s'agirait, comme dirait Orelsan, de commencer par les bases. Déjà, c'est quoi une haie? Ah oui, il faut se poser la question. D'ailleurs, est-ce qu'on dit une haie, une haie ou une haie? Je sais pas. Merci. Alors, haie, hein, clôture végétale servant à limiter ou à protéger un champ, un jardin. Bon, c'est une première réponse, mais je trouve la définition un peu simple. Une haie, c'est beaucoup plus que ça. Grâce à leurs différentes formes et dimensions, les haies jouent un rôle formidable pour l'environnement. Elles sont aussi un abri pour la biodiversité, je dirais même plus. Les haies sont de véritables multiplicateurs de biodiversité. C'est là qu'un grand nombre d'insectes, de pollinisateurs, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, de reptiles vont pouvoir trouver le gîte et le couvert, se reproduire, et se déplacer. Oui, car les haies sont aussi des tunnels, des sortes de routes pour la faune sauvage. C'est ce qu'on appelle le corridor écologique. Les haies ont aussi leur mot à dire sur la beauté du paysage. C'est quand même plus joli un bocage qu'un champ plat de 200 hectares, non ?